complément au précédent exemple, nous allons voir comment incrémenter les pas au rythme de la musique. Tout d'abord, je supprime la cloque. Je charge un son dans un second rack. J'insère ce second rack dans l'entrée audio du premier. Et je vais chercher dans les modules Audio Analyse Beat Follower avec Threshold. Je raccorde l'entrée audio de ce sous-patch à un module Audio In pour que celui-ci reçoive le signal de l'entrée du rack. Enfin, je raccorde la sortie du Beat Detector à l'entrée Increment de mon compteur, là où était précédemment connectée la cloque. Il ne reste plus qu'à ajuster les paramètres de détection. Je peux bien entendu placer une entrée audio à la place de mon lecteur pour faire bouger les pas. Il me faut ajuster les paramètres et notamment l'intervalle pour une meilleure détection. On pourra également utiliser l'amplitude du son pour générer une enveloppe. Je vais chercher le module Envelope Follower pour moduler le niveau du master de notre effet. Je connecte la sortie de l'enveloppe à un module de multiplication. Et je relie également l'entrée de l'enveloppe à mes modules Audio In. On peut voir dans cet exemple que nous manquons cruellement de niveau. Je peux aller corriger ce problème directement dans le module d'enveloppe en augmentant le gain.